إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى نواصل دروسنا الشهرية في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع به العبادة والبلاد. وموضوع محاضرة اليوم هو ذكر فوائد حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وسنذكر إن شاء الله تعالى ما استنبطه أهل العلم رحمهم الله من فوائد كثيرة لهذا الحديث، ومنهم الإمام أبو العباس أحمد ابن أحمد الطبري المعروف بابن القاص رحمه الله تعالى. Nous continuons par la grâce d'Allah سبحانه وتعالى les conférences mensuelles dans cette mosquée bénie, et on demande à Allah Azzawajal qu'il la préserve de tout mal. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte, comme vous l'avez sûrement lu, sur l'explication et les leçons à tirer du hadith de Anas radiallahu ta'ala anhu, rapporté par Al-Bukhari et autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ô Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon ? Qu'a fait le petit oiseau ?» Et l'on va citer, incha'Allah ta'ala, les nombreuses leçons qu'en ont déduit les savants de l'islam, et à leur tête, l'imam Abu al-Abbas, Ahmad ibn Abi Ahmad al-Tabari, connu sous le nom de Ibn al-Qas, rahimahullah ta'ala, qui a écrit un livre entier sur ce hadith. Pourquoi a-t-il écrit ce livre ? Pour répondre à ceux qui manquent de respect envers les gens du hadith. Entre ceux qui disent que les gens du hadith ne s'occupent pas des choses qui sont importantes et qu'ils passent leur temps à rapporter des hadiths qui n'ont pas lieu d'être rapportés. Et ils ne se contentent pas de rapporter une version, mais ils en rapportent diverses. Et l'imam Ibn al-Qas, rahimahullah, a donc écrit ce livre. Et il dit, rahimahullah, « وَأَمَّا قِصَّةُ أَبِي عُمَيْرِ فَأَنَا ذَاكِرُهَا بِرِوَايَتِهَا وَمُلَطِّفُ الْقَوْلِ فِي تَخْرِيجِ مَا فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الْفِقْهِ وَالسُّنَّةِ وَفُنُونِ الْفَائِدَةِ وَالْحِكْمَةِ ليعلم الزاري على أهل الحديث بأنهم بالمدح به أولى وأن السكوت به كان به أحرى وذلك فيه 60 وجها من الفقه وسنأتي إن شاء الله وبعون الله وتوفيقه على بيان ذلك وتفصيله. Il dit رحمه الله: Et quant à l'histoire d'Abu Umayr, je vais la citer avec ses différentes versions et je vais parler de ce qu'il y a dans cette histoire, ce que l'on en déduit dans la jurisprudence islamique, dans la sunna, et d'autres leçons à tirer et des sagesses à en déduire, pour que sachent ceux qui se moquent et ceux qui critiquent les gens du hadith qu'en réalité, l'on doit faire leur éloge lorsqu'ils nous rapportent ce genre de hadith, et que de se taire à leur sujet est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et il y a dans cette histoire plus de 60 leçons à en tirer,
qui font partie du fiqh et autres, que l'on va citer par la volonté et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité, rahimahullah, quatre versions de ce hadith, toutes rapportées par Anas radiallahu anhu. Quant à la première version, an Anas ibn Malik, an al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qala li akhi lahu saghir, ya aba umayr, ma fa'ala nughayr. Première version, le hadith de Anas radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un de ses frères, c'est-à-dire au frère de Anas qui était petit, ô Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon? Et les savants disent, النغير هو تصغير للنغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. Les savants disent que c'est un petit oiseau qui a le bec rouge. والرواية الثانية عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشانا ويخالطنا فكان معنا صبي يقال له أبو عمير فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. Et selon Anas رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم les visitait souvent et était souvent en leur compagnie et qu'il y avait avec eux un enfant qui était appelé Abu Umayr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Abu Umayr, qu'a fait le petit oisillon? والرواية الثانية قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ونضحنا له بساطا لنا فصلى عليه وكان يقول لأخ لي يا أبا عمير ما فعل النغير. La troisième version, selon Anas radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait souvent nous rendre visite et nous avons arrosé pour lui un tapis nous appartenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dessus et il disait à l'un de mes frères, ô Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon? Al-riwayatu rabi'a an Anas ibn Malik qala kana بني بني لأبي طلحة يكنى أبا عمير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى أم سليم مازحه فدخل فرآه حزينا فقال ما بال أبي عمير حزينا فقالوا مات يا رسول الله نغيره الذي كان يلعب به فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبا عمير ما فعل النغير قال أنس وما مسست شيئا قط خزة أو خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. La quatrième version du hadith de Anas. Selon Anas radiallahu anhu, il dit, il y avait l'enfant d'Abu Talha qui avait pour kunya Abu Umayr. Il faut savoir que Abu Umayr radiallahu anhu était le frère de Anas, mais ils n'avaient pas le même père. Ils avaient la même mère qui était Umm Sulaym, mais ils n'avaient pas le même père. Pour cela qu'il a dit, il y avait l'enfant d'Abu Talha qui avait pour kunya Abu Umayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait chez Umm Sulaym, il s'amusait avec lui. Et il est entré un jour, il l'a vu triste. Et il a dit, qu'a Abu Umayr, pourquoi est-il triste? Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, l'oisillon avec lequel il jouait est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, ô Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon? Et Anas radiallahu anhu dit, et je n'ai jamais touché de khuzza, c'est-à-dire un tissu qui est tissé de laine et de soie, ni de la soie plus douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Riwayatul khamisa an Anas ibn Malik radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سليم وكان إذا مشى يتوكأ فكان ينام على فراشها ثم ذكر الحديث بطوله قال أبو العباس
وفيما روينا من قصة أبي عمير 60 وجها من الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة فمن ذلك. Et la cinquième version, selon Anas radiallahu anh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait souvent voir Umm Sulaym. Et lorsqu'il marchait sallallahu alayhi wa sallam, il avait une démarche كان يتوكا, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une démarche rapide. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, il marchait de façon rapide et sa démarche n'était pas une démarche d'orgueilleux. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans certaines versions de hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait comme s'il descendait une pente. Il marchait comme s'il descendait une pente sallallahu alayhi wa sallam. Et il dormait sur le lit de Umm Sulaym. Puis, il a cité le hadith dans sa totalité. Et à l'imam Abu al-Abbas ibn al-Qas cite ensuite les différentes leçons qu'il a déduites, rahimahullah, de toutes ces versions de hadith. Awalan, anna sunnat al-mashi an la yatabakhtara fi mishyatihi wa la yatabatta fihi. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى توكأ كأنما ينحدر من صبب. La première chose que l'on retient du hadith est que la sunna dans le fait de marcher et de ne pas marcher en se balançant de droite à gauche ni en marchant de façon lente et en traînant les pieds, car le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il marchait, il marchait d'une façon rapide, comme s'il descendait une pente. وَمِنْهَا أَنَّ الزِّيَارَةَ سُنَّةَ. On déduit de tous ces hadiths que de visiter, de rendre visite à sa famille, à ses amis, à ses proches, à ses frères, à ses sœurs, fait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter Umm Sulaym ainsi que ses enfants. ثالثا ومنها الرخصة للرجال في زيارة النساء غير ذوات المحارم. Il y a dans ces hadiths l'autorisation pour un homme de visiter une femme qui ne fait pas partie de ses maharim, des femmes qui lui sont interdites au mariage. Et les savants bien sûr donnent pour restriction lorsque toute tentation est préservée. Rabi'an, wa minha ziyaratul hakim ar-ra'iyah. Quatrièmement, il y a dans tous ces hadiths la preuve qu'il est autorisé au gouverneur de visiter les gouvernés. Car qui était le gouverneur des musulmans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était le prophète alayhi salatu wassalam. Khamisan, wa minha annahu idha khassa al-hakim bi ziyarati wal mukhalatati ba'd ar-ra'iyya duna ba'd falaysa dhalika bimayl wa qad kana ba'd ahli al-'ilm yakrahu lil-hakim dhalik. Il y a dans ce hadith la preuve que lorsque le gouverneur spécifie ses visites à certaines personnes sans les autres, que cela n'est pas considéré comme du favoritisme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait souvent la maison de Umm Sulaym et il ne le faisait pas pour toutes les autres maisons. Sadisan, wa idha thabata ma wasafna kana fihi wajhun min tawadu'i al-hakim lir-ra'iyya. Et selon ce qu'il vient d'être dit, il y a également une preuve que le gouverneur doit être humble. Il doit être humble et modeste envers les gouvernés. وفيه دليل على كراهية الحجاب للحاكم. Et il y a dans ce hadith la preuve qu'il est déconseillé et détestable que le gouverneur ait des gens qui filtrent ses visites. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu seul dans la maison de Umm Sulaym. Il n'était pas accompagné ni de garde du corps, ni de personnes qui seraient des intermédiaires
entre lui et les gouvernés. ثامنا وفيه أن الحاكم يجوز له أن يسير وحده وأن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة لما روي في الخبر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقة له لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. Il y a la preuve dans ces hadiths qu'il est autorisé au gouverneur de se déplacer seul. De se déplacer seul, et que le fait d'avoir des gardes du corps et autres, que cela est une innovation qui est détestable. Et il est rapporté dans un hadith qu'un compagnon, radiallahu anhu, a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait son pèlerinage, il était sur sa monture, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait ni bagarre, ni les gens n'étaient repoussés, et il n'était pas dit aux gens, voilà, ilayka ilayk. وقد ذكر الإمام السندي رحمه الله عند تفسير هذا الحديث تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور وإليك إليك أي تبعد وتنحى. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant du prophète sallam, même lorsqu'il a fait son pèlerinage et qu'il y avait, comme le disent certains savants, plus de 100 000 compagnons radiallahu anhum qui ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam des personnes qui demandaient aux gens de reculer, de s'éloigner ou autre. تاسعاً وفي قوله يغشانا ما يدل على كثرة زيارته لهم وأن كثرة الزيارة لا تخلق الحب والمودة ولا تنقصها إذ لم يكن معها طمع وأن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة زور غبا تزدد حبا كما قاله بعض أهل العلم لما رأى في زيارته من الطمع لما كان بأبي هريرة من الفقر والحاجة. Et dans la parole de Anas radiallahu anhu, quand il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait souvent leur rendre visite, il y a une preuve dans cela que de rendre souvent visite n'efface pas et ne fait pas en sorte que l'amour qu'il y a entre les musulmans serait mis en péril, ni que cela diminuerait la fraternité et l'amour qu'il y a entre les musulmans. Et quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, Zur ribben, tazdad hubben, c'est-à-dire rend visite une fois sur deux, un jour oui, un jour non, et en cela, eh bien, en faisant cela, eh bien, tu seras aimé. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Abu Huraira, car Abu Huraira radiallahu anhu le plus souvent visitait pour pouvoir manger, car c'était un des compagnons radiallahu anhu les plus pauvres. عاشرا وفي قوله يخالطنا ما يدل على الألفة بخلاف النفور وذلك من صفة المؤمن. Il y a une preuve dans la parole de Anas radiallahu anhu dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait souvent leur rendre visite. Il y a une preuve que la gentillesse et les liens étroits qui il y a entre les musulmans fait partie des caractéristiques des croyants. وفيه دليل على الفرق بين شباب النساء وعجائزهن في المعاشرة إذ اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من رآه واقفا مع صفية ولم يعتذر من زيارته أم سليم بل كان يغشاهم الكثير. Il y a dans ce hadith une preuve qu'il y a une différence entre les femmes jeunes et les femmes âgées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est excusé ou s'est expliqué à ceux qui l'ont vu marcher la nuit en compagnie de Safiya radiallahu anha, qui était son épouse sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons l'ont vu,
il a voulu couper court à toute éventuelle mauvaise idée que pourrait leur inculquer le diable. Et le prophète sallam leur a dit que c'était sans fille, pour ne pas qu'ils croient, car c'était une nuit sombre, que le prophète sallam était avec une femme qui n'était pas la sienne. Et c'est entre autres dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le diable circule dans le corps humain comme le sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas excusé ou n'a pas donné d'explication sur les nombreuses visites qu'il faisait dans la maison de Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha. Il y a donc ici sur ce point-là une différence entre les jeunes femmes et celles qui sont plus âgées. وفي قوله ما مسست شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مصافحته. Et dans la parole de Anas radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit je n'ai rien touché de plus doux que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui serrait la main. وإذا ثبتت المصافحة دل على تسليم الزائر إذا دخل ودل على مصافحته. Et en attestant le serrage de main, il y a une preuve que celui qui entre doit saluer, ou que l'on doit saluer celui qui vient nous rendre visite et de surcroît de lui serrer la main. ودل على أن يصافح الرجل دون المرأة لأنه لم يقول فما مسسنا وإنما قال ما مسست وكذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم في التسليم على النساء ومبايعته إنما كان يصافح الرجال دونهن. Il y a une preuve dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait la main aux hommes et non aux femmes. Car Anas radiallahu anhu n'a pas dit nous n'avons pas touché de plus doux que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit je n'ai pas touché. Il parlait de lui radiallahu ta'ala anhu. Il y a donc dans cela une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait la main des hommes et non des femmes, comme cela était son habitude sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le salut ou que ce soit dans le pacte d'allégeance. وفي لين كفه ما يدل على انه لا ينبغي ان يعتمد المصلي الى شده الاعتماد على اليدين في السجود كما اختار ذلك بعضهم لما وجده في صفه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان شثن الكفين والقدمين فقال ينبغي ان يتعمد الى شده الاعتماد على اليدين في السجود ليؤثر على يديه دون جبهته. Il y a dans la douceur des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam la preuve que celui qui prie ne doit pas reposer tout son corps sur ses mains. Comme l'ont dit certains savants, en ayant pour preuve ou en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des mains épaisses et rigides. Ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait fortement sur ses mains lorsqu'il se prosternait pour que son front ne soit pas marqué. Et les savants ont répondu à ceci en disant que shathin signifie l'épaisseur, comme l'a dit Al-Hafidh ibn Hajar dans son explication de Sahih al-Bukhari, et que cela ne voulait pas dire la rigidité. Cela voulait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des doigts et des mains épais, ainsi que les pieds, mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient rigides. Et donc, comme le dit Al-Imam ibn al-Qas, qu'il ne faut pas s'appuyer sur ses mains uniquement, ou de mettre tout son corps sur ses mains au moment de la prosternation. Et Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, a dit, et admettons que l'on considère que shathana ou shathin signifie la rigidité, eh bien, l'on expliquerait cela en disant que Anas radiallahu anhu a touché les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elles étaient effectivement douces, et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait dans le sentier d'Allah
ou lorsqu'il travaillait de ses mains pour sa famille, alors effectivement ses mains à ce moment devenaient rigides, mais lorsqu'il ne faisait pas ces choses, alors la douceur revenait sur les mains du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وفيه ما يدل على الاختيار للزائر إذا دخل على المزور أن يصلي في بيته كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a une preuve qu'il est autorisé au visiteur lorsqu'il entre chez le visité de prier dans sa maison, dans la maison du visité, comme a prié le prophète صلى الله عليه وسلم dans la maison de Umm Sulaym. إليا وفيه ما يدل على أن على ما قاله بعض أهل العلم أن الاختيار في السنة الصلاة على البساط والجريد والحصير وقد قيل في بعض الأخبار إنه كان حصيرا باليا وذلك أن بعض الناس كان يكره الصلاة على الحصير وينزع بقول الله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Et il y a dans ce hadith également la preuve de ce qu'ont dit certains savants que la sunna est de prier sur un tapis. De prier sur un tapis. Et il a été rapporté dans d'autres versions que le tapis sur lequel a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de Umm Sulaym était un tapis vétuste qui était noirci par le temps. Et certaines personnes ont déconseillé le fait de prier sur Al-Hasir, qui est un tapis de paille, en donnant pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, et nous avons fait de l'enfer un Hasir pour les mécréants. Mais bien sûr, il ne faut pas comprendre ce verset dans ce sens, et il est totalement autorisé de prier sur un tapis, qu'il soit de paille ou autre, comme le prouve le hadith de Anas radiallahu anhu. وفي نضحهم ذلك له وصلاته عليه مع علمه أن في البيت صبيا صغيرا دليل على أن السنة ترك التقزز. Anas رضي الله عنه a dit qu'ils ont arrosé le tapis pour le prophète صلى الله عليه وسلم. Et le fait qu'il l'ait arrosé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait pertinemment qu'il y avait dans la maison un petit enfant et que malgré cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié sur le tapis, il y a une preuve qu'en islam il faut délaisser les complications et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se compliquait pas la vie. Il aurait pu dire il y a dans cette maison un petit enfant, un garçon, et l'on sait que l'enfant qui urine, lorsque c'est un garçon, qu'est-ce que l'on doit faire? Naam? Qu'est-ce qu'on doit faire? On l'asperge. Et quand c'est l'urine d'une fille, qu'est-ce que l'on fait? L'on le lave. Mais les savants ont dit que ceci concerne les enfants qui ne se nourrissent pas de la nourriture, qui sont encore dans le stade de l'allaitement. Et que lorsqu'ils mangent et que leur nourriture principale est la nourriture des grands, alors dans ce cas, l'urine doit être dans tous les cas lavée. Et que le fait de l'arroser ne suffit pas. Et le professeur Hassan, en sachant qu'il y avait Abu Umayl dans la maison, il ne sait pas poser la question et ne s'est pas mis des doutes dans sa tête en disant est-ce que j'ai le droit de prier sur ce tapis alors que cet enfant parcourt toute la maison, il aurait très bien pu uriner sur ce tapis et sa famille aurait très bien pu oublier de le laver, etc. etc. Non, le professeur Hassellem, on a arrosé pour lui le tapis et il a prié dessus sans se poser de questions. وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يعلم أو حتى تعلم أو حتى يعلم يقين النجاسة. Et il y a également dans ce hadith la preuve que les choses sont pures jusqu'à ce que l'on soit certitude, jusqu'à ce que l'on ait
la certitude de son caractère impur. وفي نضحهم البساط لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الاختيار للمصلي أن يقوم في صلاته على أروح على أروح الحال وأمكنها لا على أجهدها وشدها لئلا يشغله الجهد عما عليه من أدب الصلاة وخشوعها كما أمر الجائع أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة خلاف ما زعم بعض المجتهدين إذ زعم أن الاختيار له أن يقوم على أجهد الحال. Il y a une preuve dans ces hadiths que le fait que Anas radiallahu anhu a arrosé le tapis dans lequel a prié le prophète ou sur lequel a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une preuve que le prieur et celui qui prie doit prier dans les meilleures circonstances. Dans les meilleures circonstances et non de se rendre la vie difficile ou de prier dans des conditions difficiles. Car de prier dans des conditions difficiles va avoir un impact sur ta concentration dans la prière. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur un tapis, il n'a pas prié à même le sol pour qu'il soit dans la meilleure posture et dans une situation la plus confortable possible. وفي صلاته في بيتهم ليأخذ علمه دليل على جواز حمل العالم علمه إلى أهله إذا لم يكن فيه على العلم مذلة. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié dans la maison de Umm Sulaym afin qu'ils apprennent comment accomplir la prière, il y a dans cela une preuve que le savant a le droit de transporter sa science vers ceux qui en ont besoin. S'il n'y a pas dans cela une humiliation. S'il n'y a pas dans cela une humiliation. وَأَنَّمَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْعِلْمَ يُؤْتَى وَلَا يَأْتِي إِذَا كَانَتْ فِيهِ لِلْعِلْمِ مَذَلَّهِ. Et quant à ce qui est rapporté, à savoir que la science, l'on va vers elle, et ce n'est pas elle qui va vers nous, cela est conditionné au fait que, à condition que il n'y ait pas d'humiliation envers la science ou envers le savant. وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَفِيهِ دَلَالَةُ اخْتِصَاصٍ لِآلِ أَبِي طَلْحَةٍ إِذْ صَلَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِمْ. Il y a dans cela la preuve que la famille de Abu Talha ont une particularité chez le prophète صلى الله عليه وسلم du fait qu'il ait prié chez eux. وَأَخْذِهِمْ قِبْلَةَ بَيْتِهِمْ بِالنَّصِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دُونَ الدَّلَائِلِ وَالْعَلَامَاتِ. Il y a dans cela la preuve que la famille de Abu Talha ont pris ou ont connu la Qibla et ont pris en compte la Qibla chez eux du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans rechercher et sans avoir des signes qui leur permettraient de vérifier celle-ci. Autrement dit, le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié chez eux et qu'il s'y ait dirigé vers une direction, celle-ci ne pouvait être que la direction de la Qibla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ma'soum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préservé de l'erreur dans tout ce qui a attrait à la religion. Ainsi, ils avaient la certitude de la Qibla sans même regarder les signes qui pourraient la confirmer. وفي قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء مازحه ما يدل على أنه كان يمازحه كثيرا وإذا كان كذلك كان في ذلك شيئان أحدهما أن ممازحة الصبيان مباح. Et dans sa parole du prophète صلى الله عليه وسلم
Et dans la parole de Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait, il jouait, c'est-à-dire avec Abu Umayr, ceci, il y a dans cela une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait souvent avec Abu Umayr, car il les visitait souvent. Et cela étant avéré, il y a deux choses que l'on déduit. La première, que de jouer avec les enfants est une chose autorisée. والثاني أنها إباحة سنة لا إباحة رخصة لأنها لو كانت إباحة رخصة لأشبه أن لا يكثرها كما قال في مسح الحصى للمصلي فإن كنت لابد فاعلا فمرة لأنها كانت رخصة لا سنة. La deuxième chose que l'on déduit, que de jouer avec les enfants est une autorisation, mais qu'en plus c'est une sunnah. Et la preuve que c'est une sunnah et non pas une dérogation, c'est que si c'était une dérogation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas fait souvent. Mais étant donné qu'il l'ait fait souvent, eh bien, cela prouve que c'est une sunnah. Et la preuve que ce n'est pas une dérogation, et que la dérogation a lieu de temps en temps, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dirigé celui qui prie, et lorsqu'il veut se prosterner, il n'a droit d'essuyer le sol, combien de fois? Qu'une seule fois. فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّهُ. Ceci prouve que c'est une dérogation. وَفِيهِ إِذْ مَا زَحَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يدل على ترك التكبر والترفع وما يدل على حسن الخلق. Et dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec Abu Umayr, il y a dans cela une preuve qu'il faut délaisser l'orgueil et le fait de se sentir au-dessus des gens, et ceci prouve également le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفيه دليل على أنه يجوز أن يختلف حال المؤمن في المنزل من حاله إذا برز فيكون في المنزل أكثر مزاحا وإذا خرج أكثر سكينة ووقارا إلا من طريق الرياء كما روي في بعض الأخبار كان زيد بن ثابت من أفكه الناس إذا خلى بأهله وأزمتهم عند الناس. إلى dans cela la preuve qu'il est autorisé aux croyants d'être dans une situation chez lui et d'être dans une autre situation en dehors de chez lui. Qu'il soit chez lui ou qu'il s'amuse chez lui ou qu'il joue avec ses enfants et qu'il montre que c'est une personne heureuse, qui est joyeuse et bonne vivante, et lorsqu'il sort, de montrer plus de quiétude, plus de sérieux, sauf si cela est fait par ostentation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans la maison de Umm Sulaym, s'amusait avec Abu Umayr. Et lorsqu'il sortait sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, je voyais la quiétude en lui, le sérieux et l'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est autorisé d'avoir un comportement chez soi et d'en avoir un autre à l'extérieur, à condition que cela ne soit pas fait par ostentation. Et il a cité entre autres ce qui est rapporté d'après Zayd ibn Thabit, que chez lui il faisait partie des gens les plus joyeux et qu'auprès des gens il faisait preuve de sérieux. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْنَا ففيه دليل على أن ما روي في صفة المنافق أنه يخالف سره علانيته ليس على العموم وإنما هو على معنى الرياء والنفاق كما قال جل ثناؤه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Ce qui a été dit étant attesté, il y a une preuve que ce qui est rapporté
comme faisant partie des caractéristiques des hypocrites, le fait que leur intérieur est différent de ce qu'ils font apparaître, que ceci n'est pas dans sa globalité, mais que ceci est interdit lorsque cela est fait par ostentation ou par hypocrisie, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah. Et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous avons cru ». Et lorsqu'ils sont seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous et nous ne faisons que nous moquer ». Nous ne faisons que nous moquer. Et Allah Azza wa Jalla a répondu en disant « Allahu yastahzi'u bihim ». Mais c'est plutôt Allah Azza wa Jalla qui se moque d'eux. « Wa fi qawlihi fara'ahu hazina ». ما يدل على إثبات التفرس في الوجوه وقد احتج بهذا المعنى بعض أهل الفراسة مما يطول ذكره وأكره الإكثار إذ الغرض غيرهما. Et dans la parole de Anas رضي الله عنه, lorsqu'il a dit, et le prophète صلى الله عليه وسلم l'a vu triste, il y a dans cela la preuve que le musulman doit avoir le regard perçant, surtout lorsqu'il voit les gens, et de deviner l'état dans lequel sont les gens en fonction de comment est leur visage. Et Ahlul Farasa, je ne sais pas comment traduire exactement Al Farasa, mais en tout cas c'est d'avoir un regard perçant, de deviner les choses, d'avoir un éveil d'esprit, c'est un ensemble de tous ces sens. Et l'imam Ibn al-Qas dit que Ahlul Farasa utilise beaucoup cela, et ils ont ramené beaucoup de choses ils ont cité beaucoup de choses qui ne peuvent pas être citées, car le but n'est pas de rentrer dans les détails, mais bien sûr de citer tout ce qui peut être déduit comme leçon de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفيه دليل على الاستدلال بالعبرة لأهلها إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر في وجهه على الحزن الكامن في قلبه حتى حداه على سؤال حاله. Et il y a une preuve que lorsque tu vois une chose, tu peux en déduire une chose plus générale. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déduit de la tristesse qui apparaissait du visage de Abu Umayr, il en a déduit une tristesse intérieure dans son cœur qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à demander après lui et de demander son état. Wa fi qawlihi ma balu Abi Umayr دليل على أن من السنة إذا رأيت أخاك أن تسأل عن حاله. Et dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, comment va Abu Umayr? Il y a dans cela une preuve que la sunna, lorsque tu rencontres ton frère, c'est de lui demander comment il va. وفيه دليل كما قال بعض أهل العلم على حسن الأدب بالسنة في التفريق اللفظ بين سؤالين فإذا سألت أخاك عن حاله قلت ما لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة ما لك يا أبا قتادة وإذا سألت غيره عن حاله قلت ما بال أبي فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما بال أبي عمير. Et certains savants ont dit qu'il y a dans ce hadith la preuve que de bien se comporter avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'utiliser deux expressions différentes en fonction de deux situations différentes. Lorsque tu demandes à ton frère comment il va, dis « Malak ». Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Qatada, « Malaka ya Abu Qatada, qu'as-tu au Abu Qatada ?» Et lorsque tu demandes autre que ton frère sur la situation de ton frère, alors dis comment va le père d'un tel. Comment va le père d'un tel, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma balu Abi Umayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Comment va Abu Umayr? Il n'a pas posé cette question à Abu Umayr, mais il l'a dirigé à sa mère, Umm Sulaym, radiyallahu ta'ala anha, comme cela va être cité par la suite. وفي سؤاله صلى الله عليه وسلم من سأل عن حال أبي عمير دليل على إثبات خبر الواحد. Le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم ait demandé à autre que Abu Umayr comment allait Abu Umayr, il y a une preuve qu'il est autorisé de prendre l'information qui est rapportée d'un seul rapporteur. Car on verra qu'ensuite, Umm Sulaym radiallahu anha a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est malheureux car son oiseau est mort. L'oisillon avec lequel il jouait est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte cette parole d'Umm Sulaym. Autrement dit, il a pris en compte l'information que lui a transmis un seul rapporteur. Et cela répond à beaucoup de sectes qui disent, notamment dans ce qui a attrait à la croyance, que lorsque le hadith est rapporté d'un seul rapporteur, que cela ne peut pas être pris en compte. Et les savants ont répondu à toutes ces ambiguïtés. Et parmi eux, l'imam al-Albani, rahimahullah, dans son livre, Al-Hadithu Hujjatun fi Nafsih, que le hadith est une preuve en lui-même. وفيه دليل على أنه يجوز أن يكنى من لا يولد له وقد كان عمر بن الخطاب يكره ذلك حتى أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et il y a dans ces hadiths la preuve qu'il est autorisé de donner une kunya à celui qui n'a pas d'enfant. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu détestait cela jusqu'à ce qu'il fût informé de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et la kunya, c'est de dire père d'un tel ou mère d'un tel. Wa fi qawlihi matanu ghayrahu alladhi kana yal'abu bih tarkuhu an-nakir ba'dama sami'a dhalika sallallahu alayhi wa sallam dalilun 'ala ar-rukhsati fi al-la'b lis-sibyan. Et lorsque le prophète Umm Sulaym radiallahu anha a dit l'oisillon avec lequel il jouait est mort au envoyé d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucun reproche. Et ceci prouve qu'il est autorisé aux enfants de jouer. وفيه دليل على الرخصة للوالدين في التخلية الصبي وما يروم من اللعب إذ لم يكن من دواعي الفجور. Et il y a dans cela la preuve qu'il est autorisé aux parents de laisser jouer leurs enfants avec ce qui est autorisé s'il n'y a pas dans cela de mal. وفيه دليل على أن إنفاق المال في ملاعب الصبيان ليس من أكل المال بالباطل إذ لم يكن من المناهي المنهية. Et il y a dans cela une preuve que l'argent que tu dépenses pour acheter les jouets des enfants ne fait pas partie de l'argent qui est utilisé dans le mal, car cela ne fait pas partie des jeux interdits. وفيه دليل على إمساك الطير في القفص وقص جناح الطير لمنعه من الطيران وذلك أنه لا يخلو من أن يكون النغيرة التي كان يلعب بها في قفص أو نحوه من شد رجل أو غيره أو أن تكون المقصوصة الجناح فأيهما كان المنصوص فالباقي قياس عليه لأنه في معناه وقد كان بعض الصحابة يكره قص جناح الطائر وحبسه في القفص. Et il y a dans cela une preuve qu'il est autorisé d'avoir un oiseau en cage et qu'il est autorisé de déplumer les ailes de l'oiseau afin de l'empêcher de voler. Et ceci car l'oiseau avec lequel jouait Abu Umayr
était soit dans une cage, ou soit alors sa patte était attachée ou autre, ou ses ailes étaient déplumées. Dans tous les cas, quel que soit ce qui est rapporté, le reste est autorisé par analogie. Et les savants, d'autres savants, ont répondu à l'imam Ibn al-Qas en disant que d'autoriser le déplumage des ailes de l'oiseau, que ceci est interdit car c'est un châtiment ou un supplice que tu portes à l'animal. Et les savants, parmi eux l'imam al-Qurtubi, ont répondu que non, cela ne veut pas dire forcément infliger un supplice à l'animal, et que dans tous les cas la règle reste de vigueur, à savoir qu'il est interdit de porter atteinte à l'animal. وفيه دليل على أن رجلا لو اصطاد صيدا خارج الحرم ثم أدخل الحرم لم يكن عليه إرساله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاصطياد بين لابتي المدينة وأجاز لأبي عمير إمساكه. Il y a dans cela la preuve que celui qui chasse à l'extérieur de la terre sacrée puis entre dans la terre sacrée, qu'il ne lui est pas obligatoire de lâcher sa proie. Ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de chasser dans les limites de Médine. Bayna labatay al-Madina, qui sont ici deux montagnes, Ir wa Thawr, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les deux montagnes à Médine, qui délimitent la terre sacrée de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à Abu Umayr de garder son oiseau. Et savants ont déduit que Abu Umayr a chassé son oiseau à l'extérieur de Médine, puis qu'il est entré à Médine avec cet oiseau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de le lâcher. وفي قوله ما فعل النغير دليل على جواز تصغير الأسماء وكذلك المعنى في قوله كان لأبي طلحة كان ابن لأبي طلحة يكنى أبا عمير. Et il y a également dans ce hadith la preuve qu'il est autorisé d'utiliser les diminutifs. Car on a vu que Nughayr, c'est le diminutif de Nughar. Et Umayr, c'est le diminutif de Amr. Non. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مازحه بذلك يبكي أبو عمير ففي ذلك دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا بكى اليتيم اهتز العرش ليس على العموم في جميع بكائه وذلك أن بكاء الصبي على ضربين أحدهما بكاء الدلال عند المزاح والملاطفة والآخر بكاء الحزن أو الخوف عند الظلم أو المنع عما به إليه الحاجة فإذا ما زحت يتيما أو لاطفته فبكى فليس في ذلك إن شاء الله اهتزاز عرش الرحمن. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'amusait avec Abu Umayr, celui-ci pleurait, c'est-à-dire Abu Umayr. Il y a dans cela une preuve que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith, lorsque l'orphelin pleure, le trône d'Allah bouge, se secoue, et concernant ce hadith, je ne l'ai trouvé nulle part. Yani, dans les livres des hadiths, j'ai fait ma recherche, je ne l'ai trouvé nulle part, donc je ne peux pas m'exprimer sur l'authenticité de ce hadith, wallahu a'lam. En considérant que le hadith est bon ou authentique, il n'y a pas où ce hadith ne doit pas être utilisé dans sa généralité. Car le pleur de l'enfant est de deux sortes. Soit
des pleurs qui sont dus au fait de s'amuser avec lui et d'être doux avec lui, et l'autre, les pleurs de tristesse ou de peur lorsqu'il est offensé ou lorsque l'on veut lui priver d'une chose qui est son droit. Et l'imam Ibn Qas dit, lorsque tu joues avec un enfant et qu'il pleure, il n'y a pas dans cela, inshallah, où le trône du miséricordieux n'est pas secoué par cela. Et à ma connaissance, le hadith, le seul hadith qui parle du fait que le trône d'Allah est secoué est le hadith rapporté par Bukhari, Muslim et autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ihtazzal arshu li mawti Sa'd ibn Mu'ad » que le trône d'Allah a bougé lors de la mort de Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu ta'ala anha. وقد زعم بعض الناس أن الحكيم لا يواجه بالخطاب غير العاقل وقال بعض أصحابنا ليس كذلك بل صفة الحكيم في خطابه أن لا يضع الخطاب في غير موضعه وكان ذلك في الحديث كذلك دليل ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم واجه الصغير بالخطاب عند المزاح فقال يا أبا عمير ما فعل النغير ولم يواجهه بالسؤال عند العلم والإثبات بل خاطب غيره فقال ما بال أبي عمير. Et certains ont dit que le sage ne doit pas s'adresser à celui qui n'a pas encore toute sa raison. Autrement dit, que quelqu'un qui a un haut rang, quelqu'un qui est respecté des gens, ne doit pas s'adresser à des personnes qui n'ont pas toute la raison, entre autres les enfants. Et l'imam Ibn al-Qas dit que cela n'est pas vrai, mais que le sage, c'est celui qui parle au moment où il faut parler, et qui ne parle pas, et qui ne dit pas les choses lorsqu'il ne faut pas les dire. Et dans ce hadith, il y a bien sûr la preuve. N'as-tu pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à cet enfant en s'amusant avec lui et en disant « Oh Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon ?» Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas adressé la parole à lui lorsqu'il a voulu avoir une information. Mais il a posé la question à sa mère. Comment va Abu Umayr? Comment va Abu Umayr? Et c'est là où sa mère a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a usé de toute sa sagesse sallallahu alayhi wa sallam en parlant, en s'amusant à l'enfant, mais quand il s'agissait d'avoir une réponse sur la situation de cet enfant, alors il l'a posé à sa mère. وفيه دليل على أن للعاقل أن يعاشر الناس على قدر عقولهم ولا يحمل الناس كلهم على عقله. Et il y a une preuve dans cela, que celui qui est doué de raison doit s'adresser aux gens en fonction de leur raison à eux et non pas de sa raison à soi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec Abu Umayr. Il s'est adressé à lui comme l'on s'adresse à un enfant. Et ainsi est le sage. Il s'adresse à un enfant comme on s'adresse à un enfant. Et lorsqu'il s'adresse à un adulte, eh bien, il parle avec lui en ayant une discussion d'adulte. وفي نومه صلى الله عليه وسلم عندهم دليل على أن عماد القسم بالليل وأن لا حرج على الرجل في أن يقيل بالنهار عند امرأة في غير يومها. Et le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم ait fait une sieste dans la maison de Umm Sulaym, il y a une preuve que ce qui fait foi lorsqu'il s'agit d'être juste envers ses femmes, pour celui qui en a plusieurs, et le sommeil de la nuit, et qu'il n'y a pas de mal à ce qu'un homme fasse une sieste la journée chez une femme dont ce n'est pas le jour. Chez une femme
dont ce n'est pas son tour ou le jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit dormir avec elle. وفيه دليل على سنة القيلولة. Et il y a dans cela la preuve que la sieste est une sunna. La sieste de la mi-journée. Al-Qaylula, certains savants disent que c'est avant la prière de Dhuhr, d'autres disent que c'est après la prière de Dhuhr. وفيه دليل على خلاف ما زعم بعضهم في أدب الحكام أن نوم الحكام والأمراء في منزل الرعية ونحو ذلك من الأفعال دناءة تسقط مروءة الحاكم. Et dans cela, dans ces hadiths, il y a une preuve contre ceux qui disent que parmi les comportements du gouverneur, qu'il ne doit pas dormir dans la maison des gouvernés ou autre chose qui serait considérée comme une humiliation ou un manque vis-à-vis du rang de cette personne. Et bien sûr, ce hadith vient contredire cette parole. وفي نومه على فراشها دليل على خلاف قول من كره أن يجلس الرجل في مجلس امرأة ليست له بمحرم. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dormi sur le lit de Umm Sulaym est une preuve contre ceux qui disent qu'il est déconseillé à un homme de s'asseoir sur l'endroit où s'assied d'habitude une femme qui ne lui est pas interdite au mariage. وفيه أنه يجوز أن يدخل المرء على امرأة في منزلها وزوجها غائب وإن لم تكن ذات محرم له. Il y a dans cela une preuve qu'il est autorisé à une personne d'entrer dans la maison d'une femme en l'absence de son mari, même si elle ne fait pas partie des femmes qui lui sont interdites au mariage. Et bien sûr, les savants restreignent cela lorsqu'il n'y a pas de tentation, et bien sûr lorsqu'il n'y a pas de khalwa, lorsqu'il n'y a pas de tête-à-tête, cela est autorisé. وَفِي نَضْحِ الْبِصَاتِ لَهُ وَنَوْمِهِ عَلَى فِرَاشِهَا دَلِيلٌ عَلَى إِكْرَامِ الزَّائِرِ. Et dans le fait que le tapis ait été arrosé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ait dormi sur le lit de Aïcha, il y a dans cela une preuve qu'il faut être généreux envers le visiteur. وفيه أن التنعم الخفيف غير مخالف للسنة وأن قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور. Il y a dans cela ليس على العموم وإلا فيما عدا التنعم القليل. Et dans le fait d'être joyeux de façon légère et de façon non abusée, cela n'est pas en contradiction avec la sunna. Et que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كيف أنعم, c'est-à-dire, comment puis-je m'amuser et être heureux alors que celui qui détient la trompe l'a mise sur sa bouche. Autrement dit, le Israfil, l'ange qui a pour fonction de souffler dans la trompe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a décrit cet ange qui a cette trompe, qui a sa bouche sur la trompe, qui est prêt à souffler dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même décrit en disant que cet ange a les yeux levés vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses yeux sont comparables à des astres illuminés et qu'il ne cligne pas des yeux de peur qu'il ne soit ordonné de souffler entre-temps. Et donc le fait d'être heureux de s'amuser ne contredit pas ce hadith à condition que cela
soit fait à juste mesure. وفيه دليل على أنه ليس بفرض على المزور أن يشيع الزائر إلى الباب إلى باب الدار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتشيع الضيف إلى باب الدار إذ لم يذكر في هذا الحديث تشيعهم له إلى الباب. Il y a dans cela une preuve qu'il n'est pas obligatoire pour celui qui est visité d'accompagner le visiteur jusqu'à la porte, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres hadiths, car dans ce hadith, il n'a pas été cité qu'ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la porte. Wa kana min sifatihi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yuwasi bayna julasaihi hatta ya'khudha minhu kullun bihadhih. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله على أم سليم صافح أنسا ومازح أبا عمير الصغير ونام على فراش أم سليم حتى نال الجميع من بركته صلى الله عليه وسلم. Et parmi les caractéristiques du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est qu'il réconfortait tous ceux qui étaient assis avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte que chacun prenne son dû. Et ainsi a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré dans la maison de Umm Sulaym, radiallahu anha, il a serré la main à Anas, il a joué avec son petit frère Abu Umayr, et il a dormi sur le lit de Umm Sulaym, afin que chacun puisse prendre de sa bénédiction, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Puis, l'imam al-Qas, rahimahullah, cite les autres choses qui sont déduites de ces hadiths qui ont un rapport avec la science du hadith. Entre autres, que le fait qu'il y ait beaucoup de rapporteurs, que cela permet qu'il y ait beaucoup de versions et beaucoup de rapporteurs, que cela permet de déceler des éventuelles tromperies ou des éventuelles informations fausses qu'auraient dites certains rapporteurs. Et en le fait qu'il y ait beaucoup de versions, cela permet également de classifier les rapporteurs et de savoir ceux qui ont beaucoup rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont moins rapporté. Il a cité d'autres fawa'id qui sont en rapport avec ilm al-hadith. Puis il dit, rahimahullah, pour conclure, فَذَلِكَ كُلُّهُ سِتُّونَ وَجْهًا مِنْ فُنُونِ الْفِقْهِ وَالسُّنَّةِ. Et tout ceci, tout ce qui a été cité est d'un nombre de 60. Et nous rajoutons à ces 60, ثُمَّ نَزِيدُ عَلَى السِّتِّينَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ فيه تثبيت الامتحان والتمييز بيننا وبين أمثالهم إذ لم يهتدوا إلى شيء من تخريج فقهه. Il y a, pour ajouter aux 60 leçons, il y a une autre leçon à tirer de ces hadiths et similaire à celui-ci, c'est qu'il y a dans ce genre de hadith, à travers ce genre de hadith, la différence entre nous et eux, c'est-à-dire ceux qui parlent en mal des gens du hadith, car ils n'ont pas été guidés à pouvoir extraire de ce genre de hadith autant de leçons que ce que sorte l'un d'entre nous. وَيَسْتَخْرِجُ أَحَدُنَا مِنْهُ بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ كُلَّ هَذِهِ الْوُجُوهِ. Alors que certains d'entre nous peuvent en déduire toutes les leçons indiquées. وَفِي ذَلِكَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا اجتهاد المستخرج في استنباطه. Et il y a dans cela deux choses. La première, c'est que ceux qui en déduit autant de leçons, ce sont ceux qui ont fait énormément d'efforts pour les en extraire. والثاني تبيين فضيلته في الفقه والتخريج على أغياره والعين المستنبط منها عين واحدة ولكن من عجائب قدرة اللطيف في تتبير صنعه أن تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل. Et deuxièmement, qu'il y a dans cela un mérite dans la compréhension des hadiths
vis-à-vis des autres. Alors que la source est unique. La source n'est-elle pas unique? Les hadiths ne sont-ils pas uniques, c'est-à-dire en soi? Les cinq versions que l'imam Ibn al-Qas a citées, ce sont cinq versions qui sont à la portée de tout le monde. Mais est-ce que tout le monde peut en déduire toutes ces leçons? Non. Et pour cela qu'il conclut sa petite risala, rahimahullah, en disant, mais parmi les choses étranges du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son contrôle de l'univers et de sa création, et que l'eau est une, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala rend supérieurs les uns aux autres quant au goût. Et il fait référence à la parole d'Allah azza wa jal dans sourate Ar-Ra'd. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, et sur terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes et de céréales, et des palmiers en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans son explication de Sahih al-Bukhari, car on a vu que ce hadith est rapporté entre autres par al-Bukhari dans son Sahih, il a cité d'autres leçons à tirer de ce hadith, en plus de celles citées par l'imam Ibn al-Qas, que Al-Hafidh Ibn Hajar a lui-même cité dans le Fath. Il a fait allusion à la parole d'Ibn al-Qas, rahimahullah, et de tout ce qu'il a déduit comme leçon de ce hadith, et il en a rajouté en disant, rahimahullah, وفيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له. Il y a dans ces hadiths la preuve qu'il est autorisé de parler lorsque sa parole est comprise. Lorsque sa parole est comprise, même si elle n'est pas comprise des autres. Ainsi, il cite aussi l'exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Al-Hassan ou Al-Hussein vouloir manger des dattes de la sadaqah, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Kakh kakh aw kukh kukh ama alimta anna la na'kul as-sadaqah. Ne sais-tu pas que l'on ne mange pas la sadaqah? Wa annaha awsakhu an-nas kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kour kour ou kar kar en parlant à un enfant. Et cet enfant a-t-il compris ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cela? Oui. Et il a cité également ce qu'a rapporté Ibn al-Battal parmi les leçons de ce hadith, c'est qu'il est recommandé d'arroser une chose dont on n'est pas sûr de sa saleté, ou le fait que ce soit impur. Il est autorisé d'arroser une chose dont l'on n'est pas sûr de l'impureté. Min fawaid hadha al-hadith aydan istihbab an-nadh fi ma lam yutayaqqan taharatuh. Wa fihi jawaz as-saja' fi al-kalam إذا لم يكن متكلفا وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم كما امتنع منه إنشاء الشعر. Et dans ce hadith également, il y a l'autorisation d'utiliser des rimes lorsqu'il n'y a pas dans cela de contrainte, c'est-à-dire lorsque la personne ne se casse pas la tête à faire des rimes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Aba Umayr ma fa'ala an-Nughayr ». Il y a donc là une rime. Elle est autorisée car elle ne demande pas beaucoup d'efforts,
Et il y a aussi une preuve que les rimes n'étaient pas interdites au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qui lui était interdit, c'était la poésie. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie et il ne lui appartient pas de l'apprendre. Il ne lui appartient pas de l'apprendre. وَفِيهِ جَوَازُ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى لِأَنَّ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةِ قَدْ جَاءَتْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ. Et il y a également en cela la preuve qu'il est autorisé de citer le hadith dans le sens. Il est autorisé de citer le sens du hadith, car dans cette histoire qui est une et unique, eh bien, il y a beaucoup de versions. وَفِيهِ جَوَازُ السُّؤَالِ عَمَّ السَّائِلُ بِهِ عَالِمٌ. Et il est autorisé de poser une question dont toi-même tu connais la réponse. Car le professeur Hassan a dit, « Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr ?»« O Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon ?» Le professeur Hassan savait que l'oisillon était mort, mais il lui a quand même demandé, « Qu'a fait l'oisillon ?» Ceci est une preuve qu'il est autorisé de poser une question dont l'on connaît la réponse. « ونكتفي بهذا القدر ورأيتم بركة العلم وبركة العلماء وأن منزلة العلماء عالية ويستلزم ذلك أننا نحترمهم ونجلهم وندعو الله لهم بالصلاح والثبات ومن مات منهم أن نطلب الله عز وجل لهم المغفرة وأن يجازيهم الله عز وجل عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. Donc vous avez vu la bénédiction de la science, la bénédiction des savants et ce que l'on peut déduire ou ce que les savants ont déduit comme leçon dans des hadiths qui sont aussi courts, que dire alors des hadiths longs, des hadiths qui sont pleins de jugements et dont les termes sont beaucoup plus nombreux et sont beaucoup plus valorisants, que dire de ce que sont capables de comprendre les savants, rahimahullah. Cela est une preuve de leur science, cela est une preuve de leur bénédiction, cela est une preuve qu'Allah Azza wa Jal leur veut du bien, car le professeur Azza wa Jal a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fiddin » Celui dont Allah Azza wa Jal veut le bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et donc, tout ceci ne fait qu'accroître le respect que l'on doit avoir envers les savants de l'islam, que l'on doit leur donner leur place, que l'on doit leur donner le mérite et que l'on doit les honorer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur afin qu'il les aide, afin qu'il bénisse leur science et ceux parmi eux qui sont morts, de demander à Allah azza wa jal de leur pardonner et de faire en sorte qu'ils fassent partie des habitants du paradis. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين